Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader Kings 3. Nous sommes en pleine guerre sainte contre le royaume de Xengzir. Pardon pour la prononciation. Le grand potier intervient une tâche qu'on entend. Ok, alors je vais dire de réaugmenter un peu à Chartres. On va aller défendre la cité de Cardona, la baronnie de Urgel. Dans 10 jours, on arrive, on va leur foutre une dérouillée. J'espère qu'on va leur foutre une dérouillée. Oula, ça a débarqué chez moi en plus. Non, c'est pas mes ennemis, je crois. Voilà, le duc Miron a mutilé le prince Al-Mutarif. Oh, ça a été rapide. Oh la vache. Ah, j'ai fait quelques prisonniers. Deux. L'émir Abdalrahman. Non mais c'est pas le... pas le dirigeant ça. Et... l'émir Moratif. Motarif. Attendez. Qui es-tu? Non. C'est pas toi le roi. C'est qui ça? Abdallah ibn Mohammed. Ok, je me suis trompé. Oh mais c'est pas fini, attendez. Attends, ils sont costauds hein. Capture le capitaine de Léon. Des mercenaires. Ok, on a fait deux belles victoires. Waouh. Oh le ratio. Ah mais d'accord, on a enchaîné de deux coups pour coup. Allez, un qui va à Tarragone. Un autre qui va à Lérida. Un troisième qui va à Monzon. Et le dernier. Je vais essayer de pas trop les dégrouper en vrai. Afraga. C'est bien une baronnie, hein. Ah oui, elle est en travaux. Enfin, c'est une baronnie, c'est un... c'est une Walija. Walia. Donc, c'était qui ça? Ok. D'accord, ça ne sont pas mes ennemis. Ok. Toujours dans l'optique de conquérir les territoires. Bon là j'ai des petits territoires qui sont sur le chemin donc j'en profite. Territoire catalan ça si je me trompe pas en plus. Ah mais ce sont des alliés. Mais attends, c'est des alliés de qui? Comment ça ce sont des alliés ça? Ah mais c'est le roi Siméon. Ok. Attends, je vais juste vérifier, ils sont pas là-bas. Qui es-tu? Non, c'est bon. Non, mais allié. Impec. Ok, mais je peux pas prendre la. Eh? Bon, c'est pas. Ouais. Y'a qui là-dedans? Grand étuyer, maître. Mais étuyer. Écuyer. Quoi déjà? C'est terrible ça. On va prolonger. Hein. On peut pas se permettre de perdre. Oh merde. Rimbaud a terminé ses. Promouvoir la culture en Penthièvre. Alors. Step
tu termines de promouvoir la culture en Pontièvre, tu vas promouvoir la culture ailleurs. Par exemple, en Nantes. Désolé les amis bretons, c'est amical. N'hésitez pas à faire une contrepartie et à me montrer vos parties dans lesquelles vous jouez la Bretagne et vous gagnez contre la Normandie. Voilà pour équilibrer. Ils sont longs ces sièges, hein. Ok, c'est bien, il va faire un siège ici. Ouh, petite armée hostile, ouais, 200 et des poussières. On peut pas faire grand chose avec ça. Hein. C'est le comté de Duverne. Rien à foutre. C'est un comté, c'est nul. C'est pas assez. Par exemple, sur l'autre là, avec le Royaume d'Italie. Bouillir de colère. Ah oui, c'est vrai. Elle me permet de perdre du trait. Elle me fume. C'est génial. Elle s'énerve contre moi et je suis content. C'est d'être un côté masochiste. Hein. Sadomasochiste, oui. Ah, un nouveau mode de vie en érudition. Ok, je voulais voir si j'avais une petite différence, mais non. J'ai la parfaite, enfin j'ai une très grande connaissance du corps. Vu qu'on était plus de 20%, bonus moyen de santé. Enfin, de stress, moins 20%. On pourra aller de ce côté-là. On ira en Buriana. Là où il y a déjà des Monposta. Sur la capitale. Hop, des prisonniers supplémentaires. 4 prisonniers. Eh, mais ça met bien tout ça. Hein. Celui m'aide. J'ai quand même tout ça à prendre. Ah si, on voit là. Tac 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 tac, tout ça. Tac 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 tac. Oh, lui il va finir. Ça, je réussis. Où il est déjà? Oui, Vilaya. Vilaya. Ça, je sais pas ça si. Mais non, je peux pas en faire. Il y a aussi une alliance avec le duc de Valence. Ma petite fille, accepté. Elle est trop vite. Son style, ils se barrent à l'ouest, ils ont peur. Qu'est-ce que tu fais là, toi? L'ordre sacré s'agrandit. Lui il avance bien, hein. Franchement, clean. Moi j'aurais juste savoir où est-ce qu'il va aller. J'ai l'impression qu'il va aller assez loin. Il va en Barcelone, ok. Ah, faut bouger mon ami, dit. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qui... Quoi? Ok, il débarque là-bas pour revenir. Ouais, revenir le coin inverse. C'est qui?
Idricide, oui, bah ils vont les aider, je m'en fous. La mission expirera bientôt. Bon, on peut pas aller. C'est bientôt fini, on enchaînera. Enfin, on ira aider l'autre à côté là, au cas où. On se regroupera. Je sais pas ce qui bouine. Allait probablement perdre, pas ouf. Est-ce qu'il veut pas aller là-bas? Oh, c'est très possible ça, attends. A découvert, registre. Donc on a découvert le registre, on peut choisir une autre... Une autre culture, innovation, tribal, casus belli. Non. Plan de cité, je trouve ça très fort. Faire plan de cité. 17 ans. Expiration, c'est comme si c'était fait. Hop, on va... Prendre un autre, c'était... Il a quoi lui déjà, je sais jamais. 9 châteaux, allez hop. Je suis à peu près sûr de pas l'avoir, 9 châteaux. J'en ai plus. Allez, on y retourne. Ouais, c'est ça, il va vouloir attaquer. Il va falloir aller l'aider. Connu pour le dévouement autrefois. Bon, pas gagné. Bon, ça c'est la bonne nouvelle. Réussi un siège. Là, on est en infériorité numérique. Ah, arrêtez avec les hameçons. Je vais remplacer le chèque chat. Ah, j'ai un conseiller qui a péri. Par le prince lui-même. Heureusement, j'ai mes renforts qui arrivent. Ça devrait renverser le cours de la bataille. Ils sont badass quand même. Ils me mettent très cher. Normalement, c'est sera gagné, mais. Ouf. Plein. Le fils du comte Vitiza de Monterrey accuse mon vassal le comte Alfron d'avoir une liaison extra-conjugale avec son amante Anna. Ouais, tu es plus sûr que t'as... T'as des preuves? Moi, je vois pas de preuves. C'est bien d'accuser. Il a pris le tarif. Mais accusé sans preuve, ça reste une supposition. Romas a été blessé. Purée, ils sont tous blessés, mes chevaliers là. On les a blessés, ok. Donc, contre Marco a blessé. C'est une grosse bataille là qui a. J'ai perdu 1600 hommes, il en a perdu 1400. C'est pas mauvais ce qu'il a fait en vrai, hein. C'est vraiment pas mauvais. Hein. Ah, j'ai perdu j'ai perdu le duc de Poitiers en plus, bon j'ai gagné quelques prisonniers. Et mon duc est mort. C'est mon beau-frère qui a pris le relais. Attends, quoi? Duché de Poitiers. Ok, il a des gamins, c'est bon.
Alors, j'ai réussi mon siège et je peux faire la paix. Ouais, on va. Dans le titre ciblé, tous les titres détenus par les dirigeants à Akarit seront saisis et tous les dirigeants catholiques seront vassalisés par vous. On va appuyer notre demande. Ah, j'ai pas pris grand chose. J'ai vraiment pas pris grand chose. C'était un empire, forcément. Forcément, c'est limité. Bon, je lui ai quand même pris un bon morceau. C'est toujours ça de fait. On va disperser tout mon beau petit monde. Ouf. Du coup, j'en ai une chier de trucs à faire. Alors, bon, déjà. Oh la vache, ouais, tu m'étonnes. Ok, ouais, tout m'appartient. Ouais, 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 forcément, j'ai pris tous les titres. Les titres peuvent être usurpés. Oh! Je peux usurper son sultanat? On va usurper son sultanat déjà. On va usurper l'émirat. Voilà, et du fait qu'on est usurpé. On aura, je suppose, des revendications. Hop, là, de là. C'est des ducs. On a les revendications comme il faut. On a énormément de revendications grâce à tout ça. Je vais relâcher, enfin je vais rançonner tout le monde parce que j'ai besoin d'argent. J'en ai dépensé beaucoup avec l'usurpation. Et j'ai des comtés. Et les duchés à créer, duché de Saragosse. Saragosse, pardon. Non, j'ai pas de comté à créer. Si, deux duchés, oh la vache. Alors, les mecs. Accordé à... Qui veut? Mais ça, c'est tellement ça. Allez hop, c'est pour toi. Qui veut? Ah! Il y a déjà quelqu'un ici. Vous savez quelqu'un? Ah non, j'ai pas cliqué sur le bon endroit. Quoi? Allez. Qui veut? Allez, toi. Je vérifie qu'ils sont tous en terre. Qui veut? Toi. Hop, qui veut? Toi. Hop, suivant. C'est fou quand même. Qui veut? Toi. Oui. Hop, qui veut? Toi. Hop. Qui veut Valence? Toi. Je dis le toi avant de cliquer dessus, c'est pas grave. Qui veut Alarcon? Toi, accordé. Qui veut Denia? Toi, accordé. Qui veut Alicante? Toi, bon, on encore dit toi avant. Accordé. Qui veut Alcatraz? Toi, hop, qui veut. La Murcie. Non, t'es un peu trop vieux, toi. Toi. Hop. Voilà. Quel bordel. Quel bordel, mes aïeux. Alors, on est... Oui, ça m'en fait des vassaux. Alors, merci. Merci. Créer le titre. Baronnie de Murcie, c'est... Comte Archambault de Murcie.
En plus, c'est mon chevalier. Impeccable. Duché de Valence. Et le titre. Comte Aubry de Valence. Comte Aubry de Valence. Et on avait vu le duché de Saragosse. Qui sera pour... Comte Pierre de Saragosse. Alors. Ici. Voilà. Ouh. Voilà. On a tout réparti, on a fait ce qu'il fallait. Quel bordel. Et on peut peut-être aller en Italie maintenant, non? Hein? Indication du duc Pépin. Cette fois, il n'a pas intérêt à mourir avant, quand même. C'est reparti en Italie. Alors, hop. Tout. On va lever tout le monde. Une occupation. Une... Oh, j'ai pas le bon point de ravitaillement. Comment ça? C'est chelou ça. Ah oui, bon, ouais, bon, c'est un peu la merde là-bas. Rançon acceptée, tout levé. On va l'appeler. Ah voilà, voilà. Et cette fois, fais pas le con. Rançon acceptée, on va attendre qu'il y ait bien tout le monde. Excellent. Attends, j'ai que ça, non? Je veux savoir un peu plus de trucs, quand même. Ah, voilà. Allez, je veux tout le monde à Turin, les gars. C'est ça, hein, c'est Turin. Milan, pardon. Ça me fait de la perte. Attendez. On va faire ça autrement. Ça me coûtait un peu d'or, mais c'est pas très grave. On va faire passer par la mer, on va les faire débarquer par Gênes. Parce que là, un peu trop de pertes. En mer, il y a moins de pertes, étrangement. Il y a moins. Oui, en même temps, l'attrition en mer. Essayer de nager un peu. C'est compliqué. Une question sur le duché de Moravie. Intéressant ça. Ça, tu m'intéresses, toi. Un duché, c'est très intéressant. Toi, t'as compris ce qu'il fallait. Hop là, allez. On passe par la mer. Ce n'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-da-dan, ta-da-dan, ta-da-dan. Ça avance bien, hein. Bon, l'école de Gênes. Allez, direction Milan, on débarque en Savoie. Oh merde, je perds mes compagnies de mercenaires là sur le coup en plus. C'était pas prévu ça. Ça va dépendre de la Valachie. Création d'un chef de foi, auparavant son chef. Magadjabori. Et qui ça? Ok, d'accord. On verra plus tard. Ah! Ils sont là-bas. Bon, je fais le siège de Milan. Rapido bien fait. En espérant que... Mais c'est pas très grave.
absolument prendre sa capitale. On aura très certainement des descendants du roi, de la famille proche du roi. Ordre. Ils sont toujours embauchés, c'est pas vrai, ça tourne bien hein, cette histoire. Hein. Bande de Nevers, allez hop. Ah, prolongé de 3 ans. Prolongé de... Non, recruté. Allez hop. Allez-y les gars. Non, en fait, je vais vous attendre là. On va aller à Dijon. Attends, c'est Lauterre là ? Oh la vache, ouais, Lauterre. Et il prend ses territoires très au sud hein, quand même. Bon, tu me diras, moi aussi je prends les territoires très au sud. Hein. Hey. Ok, il vient m'aider. Pourquoi il repart ? Bah, repart pas ! Personne en plus qui t'attaque. Je sais pas ce qu'il fout. Il va faire le tour par la mer, c'est ça ? Faire genre... faire le tour de la botte, il... là, comme ça. Terminer sa tâche de contrôle en charte. Ah ! Il bouge. Attends, si t'as terminé en charte, alors tu vas aller en brie. Modification sur le comté de Metz. Non, non, toujours pas. Alors, toi, par contre, tu vas aller... Tu vas aller là-bas, vu qu'apparemment il bouge. Siège réussi. J'ai capturé leur reine. Hop, je vais attendre ici un moment. Lui, ils vont traverser les montagnes en plein hiver. Encore une très bonne idée de ma part. On va pas rançonner. Hein. On a vu une fois ce que ça faisait. Oula, oula, oula. Et... Alors, se dépêcher, mon ami. Il veut jouer à la course, lui. Bon. En attendant. Prendre des territoires les environs. Ça m'intéresse pas. T'es du Ric, ok. Donc lui là, il y avait du monde en bateau, il est revenu du coup. Oula, 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 oh, les Andalous. Oui, bon, ils sont pas très contents. Hein. Tout cas. Bah, ouais, faction... ouais, Mualadisme. Musulmane dominée par des chrétiens, pas trop leur trip quoi. Vice versa, tu vas me dire. Hein. Mais bon, là, vu que c'est dans ce sens, ils aiment pas trop, ils apprécient pas trop la blague. Ok, ils vont à Montpellier. De toute façon, à ce rythme-là, lui, il a que des armées pour prendre des villes, j'aurais gagné. Hein. Mon seul problème, c'est qu'il prend mon point de ralliement. Pourquoi j'en ai trois dans mon endroit ok, bon, pourquoi pas. Je vais les subir un siège.
Et là il se fait, ah oui mais non. On est en train de se faire bouffer des baronides. Vous pouvez débloquer un nouvel atout pour votre mode de vie. De vie, érudition. C'est de progression, la tâche maintenant en couverture de comté. Efficacité de la tâche visant à améliorer les relations religieuses. Oui, allez. Mieux faire des allers-retours, j'ai l'impression. Ok, bon, ils sont en train de se taper les uns sur les autres, ça m'arrange. Plus je tape les uns sur les autres, moins j'ai à m'en préoccuper. C'est parfait. Un artefact dans un mur auprès du cerf de ciel. Ouais, c'est. Bah, c'est vraiment. Bibelot de fleurs pressées, là, fécondité, j'ai plus grand chose, hein, stage là. Faire ça, hein, renommée, prestige. Tiens. Je dois avoir d'autres prisonniers. On va attendre un peu là. Quelques provisions. Si je réussis, parfait, parfait. Eux, ils sont où là? Ah, ils font des allers-retours, ils savent pas trop, ils hésitent. Montpellier, à Montpellier, c'est bien, ils voient des. À Montpellier, Nîmes, ils voient des gens qui passent, qui font des allers-retours là, et ils disent oh, on y va, ah non, on y va pas, on y va pas, on y va, pas. Bon, moi c'est bien, à force de marcher sur les chemins, bah ça tasse un peu la terre, ça fera des routes quoi. Ok, Neufchâtel, Neufchâteau, je veux dire. Ça j'ai. Vos couleurs brillées et barre. Voilà. Vos couleurs, ouais, je sais pas. Briller, je sais pas. Ok. Il y en a encore deux à faire. Lui en chemin. On a eu un autre. Là, il hésite. Faut que j'attende. Faudra bien que j'ai les 40%, enfin les 50% au moins des territoires contrôlés. 62%. On va se bastonner là. Allez, tout le monde, rendez-vous ici. Là, c'est bientôt fini. On va attendre qu'il ait fini. Oh, j'ai l'impression qu'il va revenir un peu dans le sud. Ah, à cause du conseiller vacant. J'ai perdu mon attendant. Prince Paul. Allez Paul, viens là. En plus, t'as vraiment pas mal en intendance. Ok, ils ont pris le territoire. Allez, direction la cité de Grasse. Direction Côte d'Azur. Coucou. Comment allez-vous? On vous cherchait justement. Après il a dissous son unité. Allez, et lui nos corps à corps. On engage le combat. On attend les autres. Ils défendent bien les Italiens là. Mais bon, c'est en infériorité numérique.
Notre chevalier, le duc, a été blessé par le contre Rudolf. Ah bah décidément. Notre chevalier a été tué. Comment ça? Et nous, on leur fait quoi? Des caresses ou ça se passe comment? Bon. Bourgmestre Antoine de Caen a été tué. Allez. Tuer le chevalier de la... de la reine en Italie. Ok, bon. Au moins... On leur a mis une petite brûlée quand même. J'ai perdu deux chevaliers là sur 200... Ah, 300 pertes. Au moins, on peut revendiquer... faire nos exigences. Après 21 mois de guerre contre le royaume d'Italie. Reine? Mais elle a de la moustache? Mais je suis pas fou! Conjoint. Elle a de la moustache! C'est possible, mais c'est. Mais attends, quoi? Lèpre. Alors, déjà, elle a lèpre, la pauvre. Mélancolie, elle est blafard. Recul. Je sais pas. Ivrogne? Mais attends, mais. Paranoïa? Mais pourquoi elle a de la moustache? On dirait pas. C'est petit. Ah oui, elle a de la poitrine. Mais oui, elle a de la moustache. Je suis pas fou. Alors, ça peut arriver. Je sais que ça peut arriver à certaines femmes d'en avoir un peu. Mais là. Mais là. Franchement, elle a plus de moustache qu'un petit moustachu très connu. Au bout d'un moment. Charlie Chaplin, pour info. Au bout d'un moment, c'est fou. C'est quoi cette moustache? Non, je suis désolé. Je suis désolé, là, au bout d'un moment, c'est se foutre de la gueule du monde, c'est pas une femme. Tu ne le feras... Bon. Je sais pas. Bon, allez, on appuie les demandes. Au ravissant Thiob, si vous vivez dans l'harmonie et la satisfaction, vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne pensais. Et... Waouh, on a bien grandi. On a bien grandi. On a vraiment bien grandi. Il n'y a plus de royaume d'Italie. Ah, c'est beau, non? Regardez-moi ce royaume de France. Et je suis au pouvoir. Je suis comte depuis... 26 ans. Ça fait 36 ans, quand même. J'ai oublié une dizaine d'années. En 36 ans, j'ai conquis tout ça. Waouh. Bon, ça va la faire la Charlemagne, bien évidemment, vous avez la... vous connaissez. C'est que Charlemagne, il était très charismatique, il a tout conquis, et puis ses gamins, c'était des merdes, et du coup, ils ont tout perdu. Bon, ça va faire un peu pareil, hélas. Très certainement. Mais là, regardez-moi ça, c'est fou. On a un très beau territoire, déjà. Là, en un épisode, on aura bouffé... vous pouvez usurper le royaume sacré de Romagne. Oh oui, déjà, tiens, hop. Putain, pendant qu'on y pense. On aura pris... Duché de Murcie, duché de Valence, duché de Saragosse, royaume d'Italie qui contient duché de Provence, duché de Savoie, duché de Sémont, duché de Lombardie, duché de Vérone, duché d'Emilia, duché de Romagne, duché de Toscane, duché d'Ancône, duché de Spolète, duché de Bénévent, je crois. Non, pas de Bénévent, allez. Une partie du duché d'Apoli, une partie du duché de Calabre. Waouh, waouh, waouh. Et puis la Corse. La France est corse. Non, la Corse est française. Bon. Et ben là, pour une fois, je vous aurais fait un épisode un peu plus long. On aura terminé nos conflits en cours. Et je ne vous fais pas l'affront de faire toute la gestion de suite. Vous pouvez gracier votre comtesse. C'est quoi son adultère? Oui, oui, oui. Franchement. C'est bon, laissez-la...
Laissez-la faire ce qu'elle veut. Empire d'Italie. Je vais pouvoir créer l'Empire d'Italie l'épisode prochain. Bon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 duchés à créer. Je vais être ruiné. Mais je vais pouvoir créer l'Empire d'Italie. C'est-à-dire que je serai empereur de France. Et d'Italie. Allez, j'espère que... que ça vous aura plu en tout cas. Eh oui, ouais, ouais, tu m'étonnes. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode en espérant qu'il soit aussi riche que celui-là. Je vous remercie d'avoir suivi cet étiope.